Et salut tout le monde, bienvenue sur Shadow Shack 15. Quel bonheur aujourd'hui de vous retrouver. J'ai l'impression qu'on n'en a pas fait depuis une éternité. Pourtant, c'est pas si loin. Mais quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui pour se faire cette petite boîte de Goddess Story. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'a pas fait ça depuis belle lurette. Donc je suis très très content d'avoir récupéré cette boîte pour vous, pour moi évidemment. Pour qu'on découvre un petit peu ensemble ce que cette boîte propose. Cette boîte, c'est la numéro combien? Elle est là, c'est la NS08, voilà. Donc on va attaquer clairement et simplement cette jolie petite boîte. Je suis très content, ouais, je suis très très content. Je sais pas, ça m'a manqué, ça m'a gravement manqué. Donc on va découvrir ça tout de suite, je prends pas plus de temps à la papote. Et puis on va ouvrir cette boîte et puis voir un petit peu ce qu'elle nous cache, ce qu'elle nous réserve. J'ai vraiment hâte. Ah, et puis si on peut tomber sur, évidemment, si je peux tomber sur des personnes, des personnages que j'aime beaucoup, c'est toujours mieux, évidemment. Mais le plaisir est là, en tout cas. Comment c'est fait? Oh, ils sont jolis, ces petits boosters. Ah, j'aime beaucoup. Regardez. Pas mal, hein? Ouais, je suis content. Je suis très, très content. Alors, combien il y en a dedans? Je crois que c'est toujours une bonne tripotée. Hop. Pardon. Comme d'hab, on va mettre notre boîte là. On se la réserve là. Combien on a de paquets dedans? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et un 15. Donc, ça va une trentaine de boosters à ouvrir. Très bien. C'est cool. On va les mettre sur le côté. Hop. Et puis bah, c'est parti, on n'attend pas plus de temps que ça, donc c'est la NS08, hein, je le répète, je ne sais pas combien il y a de cartes dedans, ça va être un peu la surprise. Je me souviens jamais de combien ils mettent de cartes. Allez go, c'est parti, oh, ça commence plutôt pas mal, ma foi. Hop, je vais pousser les boosters, et bien bah, ça commence bien. Ça commence très très bien, pour moi en tout cas, je suis content. Alors on le voit pas très très bien par contre, si ça y est. On a quand même ce petit reflet, hein, il y est, hein. Voilà. Il va falloir ajuster un petit peu la lumière. Mais ouais, c'est cool, ça me fait plaisir. C'est une R classique. En plus, oh, ça c'est pour moi, hop, je la mets de côté. Je la mets tout de suite de côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de nouveau du R? Oh, joli. Très sympa. Très, très sympa. Oh, mais très, très, très sympa même. Et derrière, on a du SR. Ok. Le paquet très standard chez Goddess Story. On va faire ça comme ça. Toc, c'est parti. Assure. Ça commence bien. Dans le sens où je trouve que visuellement, les cartes sont très jolies. Mais alors, très très joli. Et puis ça continue. Franchement, j'aime beaucoup. Très sympa. Très jolie carte. Oh, alors, celle-ci, c'est une R, mais elle a un relief. Un côté holographique un peu plus imposant que les autres. Très jolie carte aussi. Oh là, mais. C'est une belle boîte, hein, pour le moment. C'est une très très belle boîte. Hey, Emilia! Génial, cool. Ah, oh, ça me fait plaisir ça. Eh bien, vous savez quoi? On va commencer direct. Hop, quitte à changer après, hein, comme d'habitude, vous savez. Mais on va commencer direct, on va s'en mettre une petite là. Elle est très jolie. Elle est très jolie. Tombe bien, celle-ci, je ne l'avais pas dans ma collection. Non, par contre, je dois reconnaître qu'effectivement, elles sont super classe, quoi. J'adore cette boîte. J'adore cette boîte. Et du SR. Très bien. Hop. Ça commence pas mal. Est-ce qu'on va avoir beaucoup de doubles? Ça oui, à un moment donné. Forcément.
Mais pour le moment, on n'est pas à plaindre. Oh, c'est trop trop chouette. Trop trop chouette. Joli. Très joli SR. Hop là. Allez, paquet suivant. Toujours une belle qualité de carte hein, sur ces boîtes, hein, franchement. Celle-ci est magnifique. Et Sajiri. Sajiri, je ne l'ai pas celle-ci dans ma petite collection, je crois pas, ça me parle pas. Oh ouais, vraiment toujours une belle qualité de carte. Même les SR, elles sont. Celle-ci est superbe. Celle-ci est vraiment superbe. Allez, on va la mettre en fond, tiens. Hop. Histoire de. Un petit peu. Toc. Pardon, excusez-moi. Hop là. Particulier. Très particulier. Ça, on avait tout à l'heure, la première. On va les mettre de côté. On va se les mettre de côté, comme ça, on pourra faire un petit bilan, comme d'habitude, sur la fin de notre vidéo. Très joli. Et... Oh, cool! Oh, génial! Oh, génial! Je suis ravi. Je ne l'avais pas, celle-ci. Je ne l'avais pas, celle-ci. Ça tombe très, très bien. Première SSR. Un petit clin d'œil, non pas un petit clin d'œil, mais Demon Slayer. Voilà, un personnage que j'aime beaucoup, comme beaucoup de personnes, je pense. Hop là, génial. Franchement, c'est cool. Ouais, ouais, c'est très très cool. Bon, premier SSR. Affaire à suivre. Bien ça aussi. Bien ça aussi. Très très bien. Oh là, voyons, il y a du lourd. Celle-ci, on l'a eu tout à l'heure. Oh, elle est superbe celle-ci. J'adore. Et une ESR. Oh, mais du démon encore. Génial. Génial, génial. Très bien. Bon, on va pas la mettre tout de suite en fond quand même parce que. Hop, je vais la mettre de côté, c'est pour moi. Allez. Ah. Là, direct. Ici. Joli. Oh, ça me dit quelque chose, ça. Je me souviens plus. Ça me parle, ça. Non, je me souviens pas. Très joli. Très très joli. Bel SR aussi. Très très joli. Mais c'est Nico, si je dis pas de bêtises. Hop. Allez, à suivre. On a eu ça déjà, il me semble. Oui, je crois bien. Ah, chouette. Très chouette. Ok. Ouais, Love Live. Oui, ça y est, c'est Nico de Love Live, ça. Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. SR. Hop, on la met là. À suivre. On commence déjà à avoir pas mal de doubles, c'est dommage. Ah oui, même vraiment dommage. Sympa. Oh là, qu'est-ce qu'elles sont jolies. Et une SSR. Très bien. Et ben voilà notre deuxième SSR. Hop.
à mettre ici, évidemment. C'est cool, c'est vraiment cool. Allez. Ah, une jeune mariée. Ça, on a eu. Ah, ça, on vient d'avoir. Ça, on l'a eu aussi. Ah ouais, ça y est, là, ça va tomber. Ça va tomber, ça va tomber. Je pensais pas qu'on commencerait à accélérer les paquets maintenant. Mais là, on a déjà pas mal de doublons. Hop là. En plus, il y en a peut-être certains qui sont passés, repassés et repassés. Voilà. Ça commence. Très joli, ça. Oh, elle est jolie, cette petite SR. J'aime bien cette boîte. Je dois le reconnaître. Hop. Allez, on va la mettre là-haut. Pour le moment. Aïe, aïe, aïe. Peut-être pas comme ça. Là, c'est peut-être le mieux. Oui, je veux pas que vous en preniez plein les yeux. Ce serait dommage de recevoir les mauvais reflets en plein dans le nanoeil. Alors, ça on a eu, je crois. Hein. On verra. Oh là là, on en a. On en a plein qui reviennent. C'est dommage. Très joli, ça. Très chouette. Toc. Et bien c'est parti, je pense que maintenant les R, on les a à peu près toutes rencontrées. Donc ça va aller assez vite. Vous savez quoi, je vais les séparer quand même, parce qu'il faut qu'on fasse un bilan quand même à la fin. Mais là, vous voyez, la totalité. Oh, jolie. Oh, elle est très très jolie celle-ci. J'adore. J'adore, j'adore. Hop. Et ici même. À suivre. Bon, bah allez, on va pousser l'accélération sur les paquets. L'objectif maintenant, c'est de découvrir les dernières. Ouais, parce que là, on va avoir. Vous voyez, on a la totalité des boosters maintenant qui sont en double, voire en triple. Très belle SR. Alors c'est parti. C'est dommage quand même tout ça. Et hop là, une petite SR. C'est quoi, c'est du Love Live? Non. Bon, on a fait la moitié, hein, je crois. Je crois qu'on est bien. On est bien sur une bonne moitié de. Deux boîtes. Et là, ben, je trouve que c'est un peu l'hécatombe. C'est dommage. C'est dommage. Joli. Très sympa. C'est-à-dire que là, pour être honnête avec vous, au niveau des R, j'ai autant de R ici que de double pour le moment. C'est ballot. Celle-ci, on l'a eu aussi. Celle-ci aussi. Celle-ci aussi. Nombre de fois où elle est tombée, c'est hallucinant. Oh, très chouette. Très classe. Elles sont vraiment belles, les petites SSR, quelles qu'elles soient, sur les boîtes de Goddess Story. Vraiment, 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 c'est une belle réussite, ces cartes-là. Hop, elle va venir ici, évidemment. Et on continue. Alors là, là, celle-là ne me dit rien, je m'en souviens plus. Celle-ci, ici. Oh, miaou. Désolé, il fallait que je le fasse. Miaou. Allez, hop, on va la poser là.
à suivre. Ah, ça, on n'a pas eu. Très bien. Ça, on a eu. Et derrière, ça sent l'ASR. Oui. Avec la petite canette qui fait pas de pub du tout. Mais je n'ai rien dit. Hop. Hop là. Ça continue, ça continue. La mariée de tout à l'heure. Et là, on a quoi? Du SR. Que... Ah, bah, d'autres premières SR, tiens. Première SR en double. Je vais la mettre de côté aussi. Comme ça, on verra bien pour le petit bilan de fin de vidéo. Mais bon, s'il y a une seule SR pour le moment, c'est plutôt pas mal. Dans les doubles, c'est plutôt pas mal. Les R, on n'en parle plus, évidemment. C'est comme d'hab. Oh, 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 oh. Alors, je vais vous le dire, parce que franchement, il faut que je le dise. Secrètement, quand j'ai reçu cette boîte, je vous montre. Quand j'ai reçu cette boîte, je me suis dit, eh ben, alors effectivement, il y a Nezuko, ça, c'est une carte que je souhaiterais avoir. Mais il y a une carte, je me suis dit, franchement, celle-ci, si je pouvais avoir cette carte-là, ce serait vraiment cool. J'aime beaucoup le dessin. J'aime beaucoup l'attitude. Et là, franchement, boum, voilà. Donc, je l'annonce maintenant, hein, clairement. J'aurais pu le dire avant, d'ailleurs. Ça aurait été marrant. Mais je suis là très, très, très content. Elle est vraiment, vraiment jolie. Elle est très jolie. Ah, c'est cool. Hop. Toc, je vais venir là. On va décaler un petit peu. Est-ce qu'on peut décaler un tout petit peu? Voilà, super. Eh bien, on continue. Elles sont belles, ces SSR. Je sais, je l'ai déjà dit, je le répète, mais c'est vrai que elles valent le coup, quoi. Du R, du R, du R. Hop là, eh bien, la deuxième. Puisqu'on l'a installé là tout à l'heure. Deuxième SR en double. Ça, on a déjà eu. Il se renouvelle pas trop sur les R, par contre, c'est dommage. Parce qu'avant, on pouvait avoir du double, rarement du triple. Mais là, avoir 5, 6 fois la même carte, j'avoue que c'est un peu dommage. Eh ben, troisième. Troisième essai en double. T'en as eu tout à l'heure. Yop là. Charmant. Toc. Alors, ça se rapproche de la fin. Par contre, je vais rien dire. Normalement, on n'est pas censé avoir du MR ou du PTR, des choses comme ça, beaucoup plus rares. Pour le moment, on n'a rien de tout ça. C'est assez étonnant. Ou alors, ce sera la surprise de fin de paquet. Une SSR derrière, et c'est très bien, parce qu'on ne l'a pas. SSR. Très chouette. Ah, va falloir faire de la place. Allez, on va retirer la petite SR là. Tac. Voilà. Des protections. Oui, j'en ai suffisamment sorti pour une fois. Alors, du mal à ouvrir. Peut-être une surprise à l'intérieur. Agréable surprise, on va voir ça tout de suite. Toc, toc, toc. Et une ESR. Oh, c'est mignon. Très bien. Hop là.
On a un tableau bien rempli déjà. Ok, bon, bah, de toute façon. La dernière, c'est du SR. Nos deux derniers, ils sont là. Et pour le moment, pas au-dessus que du nécessaire. Toc, c'est vrai que celle-ci aussi est jolie. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Du SR. Oh. Joli. Et notre dernier paquet. Qu'est-ce qu'il annonce, le dernier paquet? Je ne sais pas pourquoi, mais je ne le sens pas. Oh mon Dieu. Et on finit sur du SR. Voilà. Du SR. Alors attendez, on va quand même vérifier un petit quelque chose. Ouais, les SSR, elles sont clairement bien annoncées. Il n'y a pas de souci. Eh non, ils n'ont pas annoncé. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Eh ben si, pourtant. Mais on n'a pas eu de chance. On n'a pas eu de chance. Ok, pas cette fois-ci. On n'aura pas mieux que du SSR. Alors, petit bilan. Petit bilan, petit bilan. D'habitude, il n'y en a pas autant. Donc, ça me fait bizarre. Voilà, ça. Ça, ce sont les R qu'on a eu. Et ça, ce sont les R en double, en triple ou plus. D'habitude, il n'y en a pas autant. Donc, ouais, ça, c'est étonnant. Mais c'est le cas, c'est là en tout cas. Sur du SR, on en a 3 en double. Donc c'est plutôt, ça va, c'est plutôt cool. Donc oui, sur les cartes un peu plus rares, on est plutôt pas mal. J'avoue que c'est cool. C'est déjà arrivé que dans des boîtes, on est deux fois une même SSR. C'est rare aussi, mais c'est déjà arrivé. Et non, je suis content. Je suis très content. J'avoue que la qualité des cartes, elles sont superbes. Ça change pas. De toute façon, Goddess Story, vous pouvez aller les yeux fermés. Faut pas avoir peur des doubles, mais les doubles sur les R, c'est juste tout à fait normal. À ce point-là, je sais pas, mais c'est tout à fait normal. Donc non, je suis ravi de cette boîte. Et puis on a un visuel derrière qui est vraiment cool. Je pourrais pas vous dire quelle est ma carte préférée, si les deux qui sont devant là, forcément. Il y a un petit plus sur ces cartes-là. Celle-ci aussi, dont je vous ai caché l'envie tout à l'heure. Enfin. Au début de vidéo. Non, je suis ravi. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, ça, c'est le plus important pour moi. C'est que cette vidéo vous ait plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas. Hein, on peut toujours rajouter un petit pouce. Ça fait plaisir. Les commentaires, allez-y. Lâchez-vous. Je serai là pour y répondre. Quel qu'il soit, comme d'habitude. Et puis, mais comme d'habitude aussi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Eh ouais. Allez, salut à tous et à bientôt. Bye bye.